Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai envie de faire un petit apprentissage à Quantum et à Saphir également. J'aimerais aujourd'hui commencer à leur apprendre le Dextre. Alors le Dextre, c'est quoi? Je vais vous expliquer. En fait, en gros, c'est moi je suis à cheval sur Saphir et Quantum est à côté en licol et nous suit comme ça. Alors je sais pas comment ça va se passer pour cette première fois parce qu'il faut savoir que Saphir est dominant sur Quantum et qu'il a tendance à le remettre assez souvent à sa place. Et que je sais pas si il va être d'accord qu'en étant sur lui, il y ait Quantum juste à côté. Il faut aussi savoir que Saphir ne supporte pas quand on le monte qu'il y ait un cheval qui soit à côté de lui. Il a tendance à le shipper, à l'intimider pour qu'il se mette plus loin. Tout ça, c'est dû parce que lors de nos tout premiers championnats de France, il me semble que c'était en 2013, il s'est fait taper au paddock gratuitement et depuis ce jour il est plus trop ok pour qu'un cheval le colle juste à côté de lui. Donc c'est un petit peu la base du Dextre. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va commencer la petite initiation et on va voir comment ça se passe. Également, je sais pas. Alors, mon intro est longue, je suis désolée. Mais je ne sais pas les images que vous aurez parce que je suis toute seule. Vous savez qu'on est en confinement et que du coup, bah je suis toute seule à venir au pré. Donc je vais poser la caméra, j'essaierai de filmer ce qu'on peut. Et puis voilà, on va aller chercher les chevaux. C'est parti. Je vois une ombre juste ici. Qui est-ce que c'est? Ah bah c'est personne. C'est le poteau. Oh putain. Où est-ce qu'il sent? Ah! Maminou! Qu'il est cochon! Ça fout, qu'est-ce que t'as foutu? Regardez-moi ça. Il y a le Quantum qui est seul au monde là-bas. Je sais pas si vous le verrez parce que c'est à contre-jour. Il doit être fâché. Je vais avoir besoin de toi, Minus. Là, il y a 100K. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce minou qui est tout crado là. J'ai juste oublié de fermer la porte ici, donc on va le faire avant qu'il y en ait un qui se barre. Et lui, à peine arrivé, qu'il est déjà en train de bouffer du foin, quoi. C'est vrai que t'es en crise. T'es pas nourri, mon chat. T'avais une petite carotte. Je vais te donner une petite carotte. Minou! Viens manger la carotte. Il n'y avait pas de pomme en promo, c'est les carottes. Alors voilà. Il n'est pas très fan de la carotte, sauf. Bah, attends, là je vais m'inquiéter. Ah. Coucou le bébé. Tiens, j'ai la petite carotte. Ça va? T'as le petit ours? Ouais. Il veut pas te laisser rentrer dans le box. Du coup, tu vas squatter un autre box. Ouais, ça fout là. Il veut pas prêter son foin. Hein. Regardez-moi comment il est crasseux, mon chat, quand même.
Quantum, je vais lui mettre en école et on va commencer tout ça. Je vais le faire dans le paddock de devant. De base, je voulais dans le pré de derrière, là où il vivait avant Saphir et Quantum. Mais finalement, je me dis que pour une première fois, je vais déjà le faire ici devant. Et puis voilà. Et si tout est ok, peut-être que j'irai là-bas vu qu'il y a un petit peu plus d'espace. Bon, finalement, je suis venue dans l'ancien pré des chevaux, là où je voulais le faire de base, parce que dans le petit paddock, c'est trop petit. Je fais que des ronds, enfin voilà, c'est pas. Pourquoi il s'excite lui? Donc voilà, là j'ai beaucoup plus d'espace et on va continuer cette petite initiation. Pas sûr que vous aurez tout avec le réflexe, parce que vu que c'est beaucoup plus grand, je vais pas rester juste devant le champ de vision de la caméra. Mais je vous raconte après. Bon, visiblement, Saphir avait soif. Elle est dégueulasse la baignoire là les garçons. T'as dit on peut continuer? Non? Oui? Parce que ce que je disais, Quantum devrait être ici, mais Saphir le laisse pas, oh, le laisse pas trop être pile à côté. Bon là, c'est parce qu'il y a les juments juste là, alors forcément ça aide pas, ou ça aide au contraire. Marchez, Quantum, marche. Appuie là avec une main sur le téléphone, une main dans les rênes, c'est pas évident. Il y a de la meuf. Tu t'en souviens celle-là, Minou? Bien sûr qu'il s'en souvient. C'est une blague ce cheval. Il se prend pour un mâle, putain. Quand je vous dis qu'il les aime, ces juments. Devant un truc si naïf. Tripé mon chat! T'es content de les revoir tes fifilles là? Là, il y a sa préf qui arrive là. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est elle qui avait fini dans le pré avec sa. Regardez-le lui. C'est pas une bonne idée d'aller dans les broussailles là, les filles. Hein. Quantum quoi. Il est posé sur la barre. Deux mecs devant une brochette de filles. Oula, 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 oula. Mais qu'est-ce que c'est con, les meufs, hein, quand même. La meuf a traversé ça. Tout va bien. Allez, on continue? Bon, on est plutôt pas mal. On est au trot.
respire, sois gentil. Oh, pas. Très bien tout le monde. Et oh. J'ai fini la séance et franchement jamais j'aurais pensé pouvoir galoper quoi, c'est dingue. En fait ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que Saphir n'aime pas avoir un cheval juste à côté de lui, au pas il l'a accepté, au début il a un peu jeté mais ça allait, au trot pas de problème, et par contre au galop là, là il remettait à sa place. Mais on a fini sur quelque chose de très très bien. Kantou m'a explosé quelques petites fois, donc j'avais juste peur qu'il tape Saphir ou qu'il me tape à moi. On sait jamais. Mais je suis trop contente. Franchement, ça présage de bonnes choses pour la suite. Pour pouvoir partir tous les trois ensemble en balade, c'est trop cool. Donc je vais essayer de faire ça de temps en temps avant de sortir carrément du pré pour les balader. J'étais un peu en train de travailler Saphir et j'ai lâché Kantoum. Il est en train de péter un câble. Coucou. Il pète un câble. Bon, on va chercher le poulain là, qui est broute. Allez, rabattrice. Allez, Pépio. Allez, allez. Non, là-bas. Non, on est nuls. Bon, j'ai préparé les seaux pour les loulous. Bien évidemment, il y a Safou qui est là. On va le donner en premier. Oui. Je mange où là? Allez, la nappe mon chat. Et on va prendre celui du petit. Donc pour ceux qui m'ont toujours demandé, non, ils ne mangent pas la même chose. Kantoum, c'est de l'aliment poulain, enfin élevage. Et Saphir, c'est le moins nutritif. Coucou. Eh bien, bon app, petit cul. Bon, bah, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Je tenais juste à dire que je suis quand même surprise
d'avoir pu, dès la première fois, trotter et galoper. Je vous avoue que c'était pas du tout prévu. Je pensais juste marcher. Et au final, vu que bah, Cantou, mes saphirs étaient plutôt pas mal, j'ai tenté le trot, j'ai tenté le galop. Bien évidemment, je vais pas sortir demain en balade comme ça. Mais voilà, on fera quelques petites séances de temps en temps, histoire qu'ils s'en souviennent et que ça devienne de plus en plus facile. Et à l'avenir, effectivement, on partira en balade, voire même à la plage. Ça serait trop bien. Bon, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.